Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux, très nombreux, en train de suivre votre chaîne YouTube Kinshasa Bopeto TV. Ne manquez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo que vous propose votre chaîne YouTube Kinshasa Bopeto TV en suivant cette belle procédure. Un bon père de famille, il est en train de montrer les enfants aux côtés de la banque et de banque. Là, nous sommes bel et bien en direct en train de suivre la 14e journée de Kinshasa de Pepe sur la Dingo Bilambaka, ici représenté par Excellence, monsieur le Congrès provincial de Kinshasa de Pepe, Excellence Germain Paul Bombanza, qui est là en train de balayer, de prêcher par exemple. Ici, vous voyez, nous sommes à la place Gare Centrale. Nous vous signalons que son arrivée ici à la Gare Centrale, directement, il passe en action Bopeto, étant bon père de famille, étant un cordon provincial de Kinshasa Bopeto. La direction de Solidarité, il peut représenté par le cordon professeur de Kinshasa de Pepe, c'est l'Angermain pour le Mbanda. Ah oui. Comment est-ce que c'est un avant qu'il ait changé, hein? Non, le bagage.
Offert de la société au sein de la banque EcoBank, nous sommes là en train de vous embrasser en faisant l'acte. La fin des images, vous allez le suivre en direct de notre chaîne. Ça me fait plaisir ainsi que notre chaîne Facebook qui fait ça de fait en action. Nous suivons alors la vidéo du danger de l'EcoBank. La vidéo du danger de notre banque, qui est là. Maintenant qu'une grande banque de notre pays, une grande banque installée à Kinshasa, emboîte le pas au défi de changement de mentalité. Que la propriété est un état d'esprit, on est propre à l'intérieur pour être propre à l'extérieur. Et comme vous le savez bien, Kinshasa Bopeto, qui est au-delà de l'assainissement de l'environnement, une philosophie. Et cette philosophie prône la gestion participative, que nous tous, nous puissions mettre la main dans la pâte pour pouvoir transformer notre intérieur et transformer notre extérieur. Donc c'est un sentiment de joie, de fierté de voir aujourd'hui EcoBank envahir cette place de la gare pour la rendre plus propre qu'avant. Eh bien, vous étiez là avec moi quand j'ai accueilli le chef de l'État à Bakayaou et il était question, il a instauré au fait les journées Bopeto parce qu'il a dit on va faire le salon de routine mais le dernier samedi du mois c'est la grande affluence, c'est la grande participation, c'est le grand nettoyage et aujourd'hui nous en sommes à nos 14e journée. Donc depuis le 19 octobre 2020,
2019. Nous sommes à nos 14e journée et voilà, nous invitons tous les Guinois à emboîter les pas et pourtant nous voyons des hauts cadres comme le DGA venir lui-même mettre la main dans la cambouille et nous nous demandons pourquoi pas tous les Guinois qui suivent quand même ces bons exemples. C'est pas que ce site, hein. Et puis nous ne voulons pas, EcoBank est là, dire tel a travaillé à tel endroit, tel à tel endroit, mais nous laissons libre choix à nos partenaires d'embellir un site. Et nous avons été avec d'autres partenaires banquiers à Kitambo Magasin, nous avons été avec d'autres partenaires banquiers à Limete, nous avons été avec d'autres partenaires banquiers à la place des évolués. Donc c'est le libre choix pour nos partenaires d'aller où ils veulent pour embellir la ville de Kinshasa. Donc ce n'est pas un choix dicté par nous. Peut-être que nos amis de EcoBank ont un petit faible pour cette place et nous sommes heureux de les accompagner à l'endroit qu'ils ont eux-mêmes librement choisi. C'est simple à comprendre, je pense que EcoBank, donc banque panafricaine, est une banque également citoyenne et nous démontrons notre citoyenneté en nous inscrivant dans la vision de son excellence le chef de l'État volé par le gouverneur de la ville de Kinshasa d'améliorer la salubrité de la ville de Kinshasa. C'est pour cette raison que nous sommes présents aujourd'hui pour la 14e journée de l'année. Je crois que l'enjeu ici, c'est un état d'esprit. Donc ce n'est pas un événement en one-off, mais en tant que banque africaine, nous avons cet état d'esprit. Donc notre engagement à Bopeto est maintenu et vous devez compter sur cet engagement. En fait, pourquoi ce site ? C'est un site historique. C'est également un site historique. Et nous sommes voisins à ce site. Ce site est très prisé par les Kinois. Nous sommes conscients que nous allons profiter de la circulation de ce site, étant donné que nous sommes sur le territoire. Donc, un site propre entraînera beaucoup plus de Kinois. Bien sûr, viendront nous visiter et découvrir tout notre pays. Nous sommes une banque panafricaine tournée vers le digital et très proche de nos clients. Mais en fait, nous sommes tous des Kinois, nous vivons tous à Kinshasa, nous devons nous approprier la salubrité de Kinshasa qui affecte notre quotidien, notre environnement et notre santé. Donc moi, je les invite à s'inscrire pleinement dans la vision du chef de l'État, appelé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, et de participer à ce projet. Kinshasa, c'est là.